Elle est arrivée avec 3 mois d'avance. La gastro-entérite connaît un pic inhabituel en cette période de l'année. L'Aude est particulièrement touchée. Les consultations chez les médecins ont augmenté ces dernières semaines, même si on ne peut pas encore parler d'épidémie. Pour le moment, on ne peut pas savoir encore quelles sont les causes. Peut-être des changements de température. Le réseau Sentinel pense que ça peut être également uniquement un pic automnal et que cette gastro-entérite peut probablement disparaître dans les semaines qui vont venir. C'est trop tôt pour parler de véritable épidémie. Là, actuellement, l'épidémie virale s'est déplacée donc, sur Languedoc-Roussillon et notamment sur la région de Carcassonne. Il existe plusieurs sources de contamination, mais le seul moyen pour prévenir la maladie reste encore de se laver les mains correctement et régulièrement. Alors, la prévention pour les gastro-entérites passe par le lavage soigneux des mains. Donc, le lavage qui comporte un premier temps de rinçage, utilisation du savon. On se frotte au moins 15 à 20 secondes les mains, en nettoyant un peu aussi les espaces interdigitaux, les poignets. On s'égoutte et on utilise le mieux du papier à usage unique. C'est mieux que la serviette qui va être utilisée par plusieurs usagers. La gastro est dans la plupart des cas bénigne et peut se soigner simplement. Donc s'il n'y a pas de symptômes inquiétants, on peut se contenter d'un traitement symptomatique, on se met au repos, on essaie de changer un petit peu son alimentation, de boire suffisamment, et en général avec un pansement ça passe en 3 jours. Toutefois, si les symptômes persistent, n'hésitez pas à consulter votre médecin.